Et ça dit, le film l'a dit quoi là? Oh, quelqu'un peut me donner le nom? C'est un film vampire. C'est un film Avatar. Bien précisé, hein. C'est pas Avatar le dernier maître de l'air. Avatar les monstres bleus là. Et c'est quoi? Bien précisé, Avatar les monstres bleus. Avatar les monstres bleus. Oui, oui, hein? Oui, ceux qui sont bleus. Avatar là. Non, c'est le nom que je voulais même les donner. Avatar là, ça veut dire beaucoup de choses dans le monde satanique. Avatar, ils appellent le maître. Maintenant, à ce moment, comment ça? Avatar, ce que vous appelez Avatar là. Là, c'est compliqué. Faut écouter la parler en langue. Faut écouter la parler en langue. Ils ont les parlé en langue des codes, c'est les codes. Tu vois, quand Didier Arafat vivait, il y avait des chats, ils disaient quoi? C'est des codes mystiques. Ouais, c'est des codes mystiques. Parfois, je prie comme ça, j'entends qu'une parole. La parole, là, quand je vais suivre la parole, ça va me ramener au sous-sol. Je vais sortir du sous-sol. Je vais me retrouver au ciel dans un coin. Je sors là-bas. Je me retrouve à l'espace. Si c'est une parole que j'entends. Tu veux prier, Dieu te dit stop. Il te donne un mot. Je me souviens à travers un mot que j'avais reçu. On avait décortiqué. C'est là que j'ai découvert le secret. À travers un mot, on était en train de prier comme ça. J'entends. J'ai commencé à parler. Un certain parlait à l'âme bizarre. Je commence à dire ça là, notez-moi ça. Et c'est dans ce parler en langue que j'ai décortiqué, que Dieu m'a donné les paroles là, que Dieu m'a donné le secret de la franc-maçonnerie. C'est dans ça que se trouve le triangle. Dans le mot là se trouvait l'action. Dans le mot là se trouvait, quoi là? Eh, je connais bien. Les trois choses que j'avais trouvées. Et ça formait le triangle. Mais j'avais donné la révélation, c'est ici en direct. Les trucs là sont là. C'est là. Et abracadabra. Oui, abracadabra. C'est. Ils invoquent le maître. Ils ont beaucoup de mots. Même chez les enfants, dans les décennies, mais abracadabra. Oui, mais ils ne savent pas. Mais tu vois, abracadabra. Donc, ils enseignent les enfants. Ils enseignent les enfants pour qu'ils soient initiés. Ah, je te jure. Ces mots-là, ils ne sont pas simples. Ces mots-là ne sont pas simples. Mais écoutez, le diable connaît. Qui fait quoi? Le diable connaît. Ils ont les secrets pour vous prendre. Vous avez l'impression qu'ils ne font rien, ils sont en train de faire. À l'heure où ils doivent aller devant leurs hôtels pour recevoir leur maître, ce sont les paroles-là qu'ils utilisent. Ouais, ce sont les paroles-là, maintenant dans leurs secrets, qu'ils utilisent. Tu vois, par exemple, tu vois le franc-maçon qui fait ça. C'est ça. Le franc-maçon qui fait ça. Ça là. Mais, ouais. Les signes des francs-maçons, ils ont plusieurs signes. Mm. Ils ont même d'autres comme ça. Ils ont plusieurs signes. Tu vois? Ils ont plusieurs signes. Et les signes là. Tu dis le signe de Spider-Man, ils vont comprendre. Et tu vois? C'est avec ces signes là qu'on a créé Spider-Man. Et tous les enfants du monde aiment ça. On les possède avec. Mon enfant ne peut pas regarder ça. Je viens de trouver ça à la télé. Je vais enlever la télé à la maison. Je vais enlever la télé à la maison. Parce que je ne suis pas prêt à m'asseoir et regarder mon enfant se détruire. Ouais, non. C'est ça le problème. Alors, j'aimerais vous dire, les insignes qui se font là. Les insignes là, je peux utiliser ça pour les détruire. Puisque j'ai les codes. Quand ils font ça, je sais quoi faire. Hein? Parce que quand ils font ça, c'est pour bloquer les gens. Mais toi, quand tu fais ça, quand tu regardes, je sais quoi faire pour utiliser tes décodes. Ces gens-là, ils ne sont pas simples. Les sorciers, ils ne sont pas simples. Moi, si je me mets à décoder les codes des faux pasteurs, parfois, leur magie, c'est d'imposer les mains. N'est-ce pas? Mm-hmm. Il faut absolument vous toucher. Si vous voyez, quand vous marchez avec quelqu'un qui est compliqué, qui est rempli des esprits, et qu'on veut l'utiliser pour t'éteindre, tu vois, il parle à ma sœur. 2 minutes. Il est toujours prêt à toucher quelqu'un. Maman, il y a quelqu'un qui fait des balles à son lit. Le crime de quelqu'un, quelqu'un était sur son clavier en train de taper normalement, le mot sorcellerie apparaît comme ça. Mais j'avais prié sur les téléphones, je sais. À travers même les téléphones, on possède les gens. Quelqu'un, quand vous prenez vos téléphones, vous donnez aux gens n'importe comment. Là. Quelqu'un peut prendre ton téléphone. Toi, tu crois qu'il a maintenant encore. Ton téléphone est parti, il part avec. Il te remet la coque. C'est simple, il n'y a plus rien. Moi, j'aime le direct. Et les gens qui parlent avec toi, ils te touchent tout le temps. Ils sont compliqués. Des petits sorciers. Mm-hmm. L'un de mes fils m'a appelé hier. Les sorciers n'ont plus peur. C'est vous les enfants de Dieu qui n'ont pas peur, qui ne faites pas attention. Elle me dit que, maman, heureusement que je suis devenue sage, quelque chose vient de me trouver ici. Je dis, c'est quoi? Elle dit que j'ai ouvert mon bureau. Quelqu'un dit que je suis allé chercher quelqu'un. Il arrive dans mon bureau. Pendant que j'ouvre mon bureau, je suis allé allumer les lumières. Quelqu'un est venu, la personne qui veut recevoir là, est passée directement s'asseoir sur sa chaise du bureau. Avant de quitter maintenant, aller sur son canapé. Donc, quelqu'un comme ça là, bénis-moi. L'enfant m'appelle, ma femme me dit, maman, c'est grave, regarde ce que je viens de vivre. Elle dit qu'il va confirmer ce qu'il croit. Je veux prier, je vois sur la chaise, le monsieur allait déposer les articles et les petits serpents. Donc ça devait pourrir, donc ça te ronge, ça devait tout ronger sa vie. Il est entré, il a vu la gloire, il veut récupérer.
Absolument, c'est ça qu'il veut. Il tourne, il veut toucher l'enfant. Quand j'ai prié là, il est reparti encore s'asseoir. Mais il va confirmer le code. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Non, 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 faut éviter que les gens vous touchent tout le temps. Non, utilisez une sagesse, tu vois. Et même si tu vois, tu vois. Écoutez, Macron allait, c'était le président béninois, non? Oui. Macron l'a touché comme ça, il a fait ça. C'est parce que c'est des hommes en esprit. Là, tu ne me déposes pas le fardeau. Parfois, l'autre, les fardeaux que vous criez là, c'est. Et parfois, vous restez, quelqu'un vient s'adosser sur votre épaule comme ça. La personne en train de te dire que main à terre, moi, je suis couché sur toi. Il y a des choses que. Même que tu es mon ami, n'importe comment, ne viens pas t'adosser sur mon épaule. Oui. Les hommes, écoute, la vie, c'est commandé par le monde spirituel. Et parfois, la majorité avec qui vous marchez, c'est des hommes compliqués. Et parfois, même, tu as un ami qui est bien, mais les esprits passent par lui pour te finir. Hey, oh. Est-ce que vous avez compris dans le monde spirituel ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente? Pourquoi vous ne faites pas attention? Si la sorcellerie inconsciente existe, ça veut dire qu'on peut envoûter quelqu'un, on peut initier quelqu'un dans la sorcellerie et on l'envoie te détruire et la personne le fait inconsciemment, il ne connaît pas. Donc, tu attends, je suis assis, tu viens, tu mets tes mains comme ça sur moi. Non, 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 non. Les gens qui parlent, ils touchent ton épaule. Tu peux toucher par amour. Tu sais ce que je fais? Ok, que Dieu te bénisse. Pas béni. Et j'enlève tout de suite. J'enlève, je découvre tout de suite ce que tu viens de faire. Peut-être que tu le fais dans la naïveté. Mais il y a un esprit derrière toi qui t'envoie faire ça. Mais tu ne le sais pas. Donc évitez que les gens vous touchent beaucoup. Les fardeaux que vous pleurez avec là. Parfois, on envoie les gens, vos propres amis. Il y a aussi une chose. Arrêtez d'exposer vos plats de nourriture. Dimanche, je vais aller dans les conseils pour vous aider à garder l'onction. Je vais aller dans le conseil. Pour vous aider à garder l'onction. Bien aimé. Vous mangez avec les nourritures exposées devant les gens. Un sorcier, écoute. Ah. Regardez quand je délivre quelqu'un sur Zoom. Je lui dis seulement, regarde-moi. Il fait quoi? Il me regarde. Elle dit, non, je peux plus. De la même manière, le sorcier par ses yeux peut embouter ta nourriture. Ah, je t'ai dit. Je le contrôle à distance. Il est dans les milliers. Il est en Côte d'Ivoire, je ne le vois pas. Il est au Togo. La dernière fois, la personne était au Togo. La dernière fois, l'autre était en Banga, au Cameroun. Mais mes yeux là, le captivait. Dans l'inverse, toi, je te transmets avec. Toi, je peux récupérer avec. Je peux t'hypnotiser avec. Alors, de la même manière, j'hypnotise le sorcier avec mes yeux. Le sorcier t'hypnotise parce que si mes yeux l'hypnotisent ses yeux, c'est parce qu'il a aussi un pouvoir sur les yeux qui est en train de contrôler que mes yeux. Parce que toi qui n'as pas un pouvoir de sorcier, si je te regarde avec mes yeux, ça ne te fait rien. Mais quelqu'un qui a l'esprit, dès qu'il regarde mes yeux, il est hypnotisé par mes yeux. Il commence à être brûlé. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que lui, avec les yeux là que je suis en train d'hypnotiser là, si je suis faible, il peut me hypnotiser avec ses yeux là. Si je suis faible, il peut m'hypnotiser quoi avec ses yeux là. Il y avait l'un de mes fils à l'église, il me voyait, je regardais les gens, je délivrais. Un jour, j'étais pas là, c'était un jeudi. Il a dit, je regarde moi. Ah, po. Et là, il a dit, regarde-moi. On l'a regardé bien. Il a dit, tu as reçu, ouais. Le démon, à partir, il est devenu sirène des eaux. Il ne peut pas contrôler sa vie. Il couchait les femmes à l'église. Quand il a fait ça, on m'a appelé. J'ai dit, wesh, comment il peut faire ça? Demander à un sorcier de le regarder. Il n'a pas la capacité. On n'y met pas tout haut. Moi, avant, je te dis, regarde-moi. Moi, je connais les codes que j'ai mis. Maintenant, quand je te dis, regarde-moi, il y a des codes que tu es en train de vouloir faire pour bloquer ce regard. Moi, je connais comment décoder. Je connais comment j'utilise la dialyse. Toi, tu ne peux pas utiliser. J'ai délivré le maître des francs-maçons à l'église. Vous avez vu? Vous avez vu seulement avec les codes. Et les codes là, il y avait d'autres, ils traçaient que par les pieds. Et c'est comme ça que les sorciers dansent. Ouais. Yes. Marabadou kon sambreka etch. Janul. Preka kon teka abadé. Janul. Janul. Il dit, hey Jésus, toutes sortes de danses. Hein? Satan est bon. Ah, j'annule, c'est détruit. On ne peut pas travailler ici. Non, c'est pas l'endroit pour travailler. Remets-moi les clés. Donne-moi. Sors-moi les clés. Tout de suite. Au nom de Jésus. Remets-moi les clés. Je prends, remets-moi les clés. Kabarou. Somre kakuntiabadou. Somre kakuntiabadi debout de kandebadoubadi. Ah, j'annule. Rabadouche. Kandebou. Les cornes de Satan. Ok. Donc, ça là, c'est les cornes de Satan. Vous avez, au nom de Jésus. Ici là, tu me remets les clés. C'est lui qui règne. Rekandebadou. Kandebadi. Somre kandebadoubadi. Kandebadoubadi debout. Oui. J'annule. Yes, j'annule. Rien ne marche aujourd'hui. Aucun pouvoir ne marche. Au nom de Jésus. C'est trop doux. C'était trop doux. On a fini avec lui. Vous avez fini avec lui. Au nom de Jésus. Tu libères. Libère. Tu libères. Libère. Les pieds. Et c'est comme ça que les sorciers dansent. Et c'est comme ça que les jeunes la dansent aujourd'hui. Quand on les initie, faut regarder les danses là. Allez regarder la délivrance là.
Vous regardez les danses là, c'est comme ça que les jeunes dansent aujourd'hui. Les pieds partaient, en fait, check. Et quand il faisait ça, j'ai débloqué, il dit que mais attends, il a débloqué. Il fait encore comme ça, il fait tiens, il dit attends. Il a encore débloqué. Mais tu débloques tout toi. Mais il savait qu'avec ça, il va réussir à me contrôler. Mais quand il finissait de tracer, j'ai fait tchac tchac. Il dit que mais attends, il a débloqué, Mais je fais quoi? Non, tu vois. Ah, ah, ils sont coup, hein? Le jour où il est venu, tout le monde, j'ai sprinté, j'ai dit maman. Il va les pieds comme ça. Il remonte. Pop, tap, cette fois-ci, je dis, j'ai des codes. Il dit que, mais attends. Toi, tu décodes tout, toi. Mais je t'avais vu depuis l'Afrique. C'est pour ça que je suis venu. Tu vois, quelqu'un a quitté l'Afrique pour venir me chercher. Ouais. On l'a envoyé depuis là. Il a détruit les jeunes comme ça. Tu peux pas décoder ça. Il y a déjà des démons. Au lieu que tu les délivres, si tu vois, prends tes clics, sauve-toi. Couvre-toi du manteau, prends tes clics, tu sauves. Mm-hmm. Et maître, les maîtres. Tu as vu la dernière fois, la dernière délivrance. Tu as vu comment la sirène des gens a perturbé le réseau. Avec tous les prix, tu as vu comment il a perturbé les réseaux. Et tu as même vu combien de temps il a duré pour venir. C'est parce que l'autorité qui est au-dessus de lui, il ne peut pas dire non. Parce que c'est interdit dans le monde spirituel. Si c'est lui qui est au-dessus de moi, je n'ai pas le droit de lui dire non. Mais si je suis au-dessus de lui, ils n'ont pas le droit de me dire non. Alors pourquoi j'appelle le diable? Il s'amène. Parce que s'il a envoyé son élément, il doit se présenter. Parce qu'il n'a pas le droit de me dire non. Suite à l'autorité que je porte, il n'a pas le droit de me dire non. Voilà pourquoi je peux aller dans le monde spirituel, récupérer vos destinées, venir remettre quand je veux, comme je veux. Moi, je te regarde, je demande au diable, libère-moi cette destinée. Il est obligé de libérer. Parce que c'est l'ordre qui vient du ciel. Donc tout ça là que nous voyons là, c'est codé. Tout ça, c'est quoi? C'est codé. Les délivrances que je fais là. Attends, regardez bien. Regardez. Vous avez vu qui le diable est venu dire que non, moi je ne veux plus. Toi là, je ne veux pas. Soyez intelligent. Vous avez vu qui? Maman avait dit à quelqu'un qu'il ne va pas mourir à cause de délivrance. Hein? Il a fui la délivrance. Donc on lui a donné pour une année, il ne va pas mourir à cause de délivrance. Attends. Parfois, je regarde dans certaines églises, on veut délivrer quelqu'un. Il y a au moins 10 hommes qui viennent attraper la personne. Oh. La force que la personne a. 10 hommes sont sur la personne. Mais non. Si moi j'ai une autorité au-dessus de ce démon, vous n'avez pas besoin de l'arrêter. Je vais juste le contrecarrer qu'il ne sort pas. Mais quand je dis retourne-toi, il est obligé de se retourner. Pourquoi? Parce que mon autorité au-dessus de ce qu'il parle. Donc il ne peut pas régimber. On n'a pas besoin d'arrêter autant quelqu'un pour que je délivre. Mais où est l'autorité que je porte alors? Mais c'est dans ça qu'on décrit l'autorité. C'est dans ça qu'on voit l'autorité que tu portes. Vous avez vu un homme de Dieu ici sur terre, là maintenant là, que le diable prend, que le diable dit que toi là, je t'ai dit que je ne veux plus. La dernière fois qu'il était, l'avant-dernière fois que je l'avais convoqué, c'était encore à l'église. Il a dit non, je t'avais dit que je n'ai plus affaire avec toi. Non, je ne veux plus. Vous avez vu ça? Écoutez, vous ne pouvez pas avoir un ministre ou un président aller discuter avec une autorité qui est au-dessus de lui. Pourquoi? Parce que le président connaît celui qui est au-dessus de lui. Je vais vous dire, les vrais sorciers ne font pas trop de grimaces. Je vous apprends quelque chose aujourd'hui. Quand vous voyez un sorcier qui fait tout comme ça, les sorciers parfois c'est seulement un peu te toucher un peu, c'est puis c'est tout. Le vrai sorcier, il met son empreinte et puis c'est tout, hein. Il opère avec cette empreinte-là. Oh! Les vrais sorciers ne font pas trop de bruit. Mais ils sont assis, mais ils contrôlent toute la maison. Quand il est entré là, le premier endroit qu'il va chercher à aller, c'est le toilette pour déposer son esprit. Parce qu'il y a des sorciers à l'église là. Quand ils arrivent à l'église, ils vont aux toilettes déposer leur esprit. Quand tu viens, tu es en train de chasser les démons là, le démon n'est plus là-bas. Il est parti garder aux toilettes parce que c'est leur endroit pour garder leurs démons. C'est quand tu vas finir. Dès qu'il sort là, il va aller là-bas aux toilettes, récupérer ça pour partir. Quand il récupère, il ne passe plus par où tu es. Les toilettes sont les endroits où les sorciers, quand ils arrivent quelque part que c'est chaud, s'ils viennent tenter un pasteur, parfois, s'ils ne connaissent pas encore la puissance de ce pasteur et qu'ils ont peur qu'on touche, quand ils voient là où il y a le feu, quand ils ont peur qu'on le feu la désarme, ils vont aller aux toilettes garder la sorcellerie là-bas. Voilà, ça c'est le secret que c'est les pasteurs qui devaient comprendre ça. Ils vont aller aux toilettes garder. Méfiez-vous de quelqu'un quand on finit la délivrance là, il court aux toilettes. Et quand il est suspect, méfiez-vous. Contrecarrez toujours les toilettes de l'église. Les toilettes de l'église, c'est l'endroit où je prie beaucoup parce qu'à travers les toilettes de l'église, on touche beaucoup des âmes. Les sorciers aiment trop les toilettes de l'église. Ils vont d'abord déposer parce que parfois ils infligent les serpents là-bas. Parce que quand vous venez, chacun de vous va aux toilettes. Chacun de vous va aux toilettes. Et quand vous partez, puis c'est le serpent récupéré. Vous pouvez les serpents récupérer. Donc, les toilettes sont d'abord, d'ailleurs même, pour mettre quelqu'un qui doit nettoyer l'église, je dois l'enseigner, je dois lui dire comment il doit prier. L'église, c'est pas venu mettre les chaises, le pasteur vient prêcher. C'est pas ce que vous pensez là. C'est pas ce qu'on vient mettre les chaises et le pasteur vient prêcher. C'est pas ce que vous croyez là. Moi, je vous dis, c'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. Je connais un monsieur, j'étais
À l'époque, j'avais une salle à la gare de Sarcelles. Donc, quand on commençait à louer, les gens, les esprits qui contrôlent la gare de Sarcelles connaissaient qu'il y a... Donc, et dans l'immeuble là, où on nous avait loué la salle, en bas, il y avait des serpents. Donc, c'était leur demeure. Ils ne savaient pas que nous, on était une église qui détruit les œuvres, les hôtels. Donc, tu vois, on est en train de louer le Seigneur. Un démon qui, là, il suit, juste il suit, jusqu'à il entre à l'église. Il suit jusqu'à il entre à l'église. Un autre était entré. Ah ouais, il y a Dieu ici. J'ai dit, ah bon, tu es arrivé, merci. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Il a commencé. Il a cherché le chemin. Quand il est tombé sur les escaliers, il a pris fuite. Il n'est plus jamais revenu. Il y a un autre encore. Il est venu, c'était un homme. On dit que qui t'a invité? Il dit que non, ici, le Saint-Esprit, on m'a envoyé ses mains. Hey! Je commence, hey, je vois, il fait. Quand il fait comme ça, il appelle le renfort. Ils sont rentrés. Papa, papa, ça change. Ils ont vu que c'est chaud. Ils sont sortis, ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Mais l'endroit là était. C'était un refuge des sorciers. Et c'est là, comme je venais d'accoucher, on les a dit qu'on vient d'accoucher, comme on a raté dans la grossesse, quand on vient d'accoucher, on peut finir avec elle. Il y avait un monsieur qui était la contrôleur depuis les années. Le jour là, il a envoyé sa main. Il voulait. Toucher, me toucher. Oh! La main est calée. La main est calée. Je le vois. Il dit, ah non, maître, je peux plus. Ah, j'en peux plus. Elle brûle. Elle n'a pas de péché. Elle n'a pas de défaut. Je n'ai rien vu. Depuis, lâchez ma main. Lâchez ma main. Non. Je ne peux plus avancer. Je dis, hé, qu'est-ce qui se passe? Je dis, attends. C'était une veillée. Je dis, arrêtez les instruments. Je dis, viens, j'entends. Il dit que non. C'est une vraie servante de Dieu. Elle brûle. Je ne peux pas. Son maître est suspendu en haut. Il ne peut pas descendre. Elle dit que tu l'as. Il dit que non. J'ai envoyé la main, ça brûle. C'est calé. Je ne peux pas. Elle brûle. J'ai cherché un défaut en elle. Je ne l'ai pas vu. Elle n'a pas de défaut. On ne peut pas. Maître, sauve-moi, maître. J'ai contre-calé que le maître ne sauve même pas. Hey! Et quand il m'a vu venir, il s'est prosterné en disant que c'est une vraie servante. Je peux pas opérer. Je peux pas. Non. Ici là. Non. Laissez-moi comme ça. Je l'ai découvert. Il a fui l'église. C'était un antéchrist. Et quand je l'ai découvert, j'ai vu le camp où il habitait. Il contrôlait au moins 200 haïtiens. C'était un haïtien. Je suis allé là-bas. Il m'a dit que prépare, va là-bas prier. Mets ton pied là-bas seulement. J'ai envoyé mon pied là-bas. J'ai contrecarré les coins que Dieu m'a montré. Après moi, 2 mois après, on a chassé tout le monde dans le camp. On a mis tout le monde et on a dit que le camp a redétruit. On a détruit tout le camp. Oui, c'était sa demeure. C'est là-bas qu'il était fort. Et quand il était arrivé à l'église, le pire, quand il était arrivé à l'église, en ce temps-là, il y avait un pasteur avec moi. Il y avait même deux. Il a dit à quelqu'un que je ne viens pas pour ces gens-là. La vraie personne qui vient chercher, c'est la dame. Les autres, là, n'ont rien. Oh. Ah, la personne dit que non. Il faisait comme s'il était très spirituel. Comme s'il connaît le Saint-Esprit. Il avait un jour, Chanel a livré un message. Il est saisi. Il était saisi. Priez pour cet enfant. Priez. Méfiez-vous. Les sorciers les touchent. Les sorciers les touchent. Je peux vous enseigner aujourd'hui la sorcellerie parce que j'ai vécu. Je me mets à parler des histoires de la sorcellerie. On peut aller jusqu'à 2 jours, 3 jours, ça ne va pas finir. Tu touches tel point de la sorcellerie, je vais dire un peu, je maîtrise un peu. Dieu m'a ramené dans tout ça. Priez. Aujourd'hui, je commence, c'était les prières manigancées. J'étais assis, j'ai dit, seulement couvre ta fille, Seigneur. Toute prière qui n'est pas de Dieu, je révoque. Non, il va planter, il est déjà encore grandi. Le terrain n'ira non plus. Après, il dit comme ça, après, tu dis après. Mais Israël, il est là en plus. Oui, c'est. Donc, j'ai tellement vu ces sorciers-là œuvrer. Je les ai tellement vus manifester. Je les ai tellement... Ils ont toutes sortes de manipulations en eux. Pourvu que chaque jour, le sorcier veut gagner avant de rentrer chez lui. Chaque jour, il doit remplir son panier petit à petit. C'est les chrétiens qui veulent prendre tout d'un coup. Non, le sorcier est très riche. Le sorcier peut arriver de chez toi. Il fait 5 ans. Il dit, il fait 5 ans. Les 5 ans là, c'est pour prendre de toi. Mais il n'est pas pressé. Toi, tu es pressé, mais le sorcier n'est pas pressé. Nous, les chrétiens, nous faisons vite. Hein. Nous faisons parfois trop. Mais on peut mandater un sorcier dans ta vie. D'ailleurs, quand on le mandate, il vient vers le côté où il sera utile pour toi, très utile. Il vient comme quelqu'un et il sera tellement utile pour toi. Tu vas le voir comme un âme sœur, comme un ange qui est là. Tu cries, il est là. Tu pleures, il est là à tout niveau.
pourvu que tu tombes dans son panneau, il récupère tout la gloire, il part avec. Doucement. Le panier, le sorcier est très doux. Le sorcier n'est pas agressif. Vous qui croyez que les sorciers sont agressifs, non, les vrais sorciers, ils sont endoués d'une gentillesse. Les vrais sorciers équipés par le maître même, qui sont déjà couronnés comme reines. Tu ne peux pas avoir une reine sorcière méchante directement. C'est quand tu observes, tu vis avec lui, que tu vois le côté méchant qui est caché. Mais que tu le vois, oh, ils sont à l'écoute, ils sont douces. Maintenant, ils ont un mépris caché. Oui, ils savent manipuler par des paroles doucereuses. Tu ne vas jamais voir un sorcier qui arrive autour de toi. Il est tout de suite... Et les sorciers écoutent beaucoup. Et les sorciers veulent tout savoir. Méfiez-vous de quelqu'un. Quand tu marches avec quelqu'un qui veut tout savoir de ta vie, ah, commence à arranger ton lit, clic-clac, tu te sautes. Sinon, tu vas voir. Et les sorciers aiment trop être à côté du pasteur. Parce que c'est à côté qu'on peut, on peut déshabiller le pasteur. Et les sorciers aussi aiment trop la coiffure. Je suis désolé, je n'attends pas les coiffeuses. Hein. Mais les sorciers, je dis les sorciers aiment trop la coiffure. Et les perruques. Là, il y a une grande sorcellerie, il y a une grande mascara qui se cache derrière. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette chose-là, j'ai fui. J'achète une perruque britannique. Manque dessus. La majorité des coiffeuses, c'est des gens qui sont peu, qui sont simples. Comme. Attends, ton pouvoir se trouve sur ta tête. Ton intelligence se trouve sur ta tête. Ta sagesse est où sur ta tête. Voilà pourquoi c'est facile pour eux de coiffer. Et quand ils touchent, ils entrent par la tête. Moi, j'ai délivré les gens que les sorciers m'ont dit que je suis entré par la tête. Quand j'ai vu sa grâce, j'ai sollicité la coiffure pourvu qu'elle ne paye pas. Hey, évitez les coiffeuses grâces. Ah non, même si tu ne payes même pas, ce n'est même pas un problème. Mieux même, tu ne payes pas. Mes enfants, je vais arrêter comme ça, que Dieu vous bénisse.